On dirait que c'est pour passer du bon temps que tu es arrivé dans cette ville. Je comprends pas bien. Tonton, toi-même tu penses qu'avec cet état d'esprit, tu allais pouvoir laver le veuvage de Maman Choco? Je te permets pas de m'insulter. Pour qui te prends-tu maintenant? Grand frère, loin de moi l'intention de te fâcher. Juste une manière pour moi de te faire comprendre que dans cette ville, je n'ai pas où vivre. Alors que ton grand frère a laissé des chambres en location. Et tu te permets toi de boire ta bière en regardant la télé. Mais que veux-tu que je fasse? Tu vois cette lionne prêt à dévorer tout sur son passage. J'ai d'un côté mes nièces, de ce côté mes petites sœurs. Essaye de me comprendre. Comprendre quoi? Donc tu t'es quand même déplacé du village pour la ville. Alors que tu sais que tu es dans l'incapacité de pouvoir résoudre ce problème, tu es venu faire quoi? Tu sais ce que j'ai enduré avant de quitter cette ville? Moi, j'ai dû coucher avec des hommes que je ne voulais pas. Juste pour avoir un toit où dormir. Avec le froid, j'ai dormi à même le sol. La meilleure. Je suis quittée de cette ville, partie dans un fond du village. Parce que je suivais un vieux. Juste pour oublier tout ceci. Mais tu es venu avec Michel. Vous m'avez dit ceci. Akamba, remonte en ville. Tout cela va s'arranger. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes là, vous deux. Rien ne vous dérange. Vous êtes dans l'impasse de pouvoir faire quoi que ce soit. Moi-même, je vais encore me battre. Tu trouves ça normal, tonton? Non. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Je comprends ta douleur et tes souffrances. Mais comme j'ai dit, je ne peux rien. Cependant, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si c'est dur en ville, si ça ne marche pas en ville, j'ai un grand espace au village et des champs que tu peux cultiver. C'est très drôle. Grand frère, ce que tu dis est tellement drôle. Juste que je n'ai pas envie de rire. Tu m'as bien regardé. Donc c'est à ça que tu me réduis. Les champs, le village. Pendant ce temps, mes amis seront en ville en train de vivre la belle vie. Tu as pensé à ça? Akamba, la vie est belle partout. Écoute très bien, la vie est belle partout. Que Satan ne vous séduise plus. Chacun crée son univers selon sa convenance partout où il se trouve sur la terre. Prends bien au sérieux ce que je te dis. Ok. Cher grand frère, si le village te convient, toi, moi, c'est la ville qui me convient. Fais comme bon de sens. Regarde-moi. Je sors du village. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces par-ci par-là. Elle met la Maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose.
pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite. Directement, elle s'est engagée dans le cafétéria. Ça tournait à merveille. Dieu même qui pense qu'il a tué les trois. De l'autre côté, les menaces passaient par là. Sa belle famille ne lui donnait pas le lait. Il n'était pas là. Toujours est-il dit qu'il fallait donc lapider les biens de son mari afin de partager le butin vraiment ensemble. Comme elle ne se laissait jamais faire, elle s'est lancée dans le cafétéria. Cafétéria mamie Choco. Oh, la vie de l'homme. Pourquoi maltraiter la veuve? Autant du vivant de son mari, ça ne se passait pas. Oh, la vie. Je ne veux pas de vous mettre. Non. Et je pense que c'est la meilleure chose que je fais. Je ne mange plus un petit peu. Quand elle a lancé... Bon, si tu le dis. Et comment tu as géré avec ton bailleur? Voilà. C'est par là qu'il fallait commencer. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. L'argent que tu m'as donné dernièrement, je suis allée le remettre à ma sœur pour payer la dette que je lui devais. Elle était tellement contente qu'elle m'a invité à prendre un pot avec un de ses amis. Et ce dernier est venu avec un autre de ses amis qui vient du Cité. Le gars a directement flashé sur moi. Je me suis lancée. La petite coquine. Et alors je te parle, le gars a payé toutes mes dettes. Sérieux? Je te jure, et en un claquement de doigts. Je suis tellement contente de retrouver ce sourire sur ton visage, ma copine. Ah. Il faut que tu le rencontres. Je lui ai déjà parlé de toi. Ah bon? Ok, on va arranger ça. Tu vois, on s'est perdu de vue pendant beaucoup d'années. Et je ne voudrais plus que cela arrive. Tu sais, de toutes les amies que j'ai eues, tu es la seule qui a toujours été vraie avec moi. Et du coup, je voudrais t'inviter à la maison ce week-end. Et on va prendre un dîner ensemble. Il n'y a pas de souci. Et si ton nouveau petit copain est disponible, il est le bienvenu. Ok, je vais lui en parler. Tu peux compter sur moi. On va s'amuser comme des fous. Comme à l'époque. Comme à l'époque. C'était tellement génial. Oh. Tu te rappelles quand on était avec Richard? Justine, pourquoi vous fuyez? Quand nous, je te demandais qui te fout. Personne. Juste que je suis en retard. Oh Maria, Maria, tu vas finir par me donner une crise cardiaque un jour. Bonjour Maria. Bonjour Tata Nina. Ça va? Maintenant que je suis là, oui. Maria, les femmes, au fait, les hommes ne courent pas pour rien, Maria. Je suis une femme. Maria, homme avec grand H. Homme et femme. Qu'est-ce qui te faisait donc courir comme ça? J'étais à l'hôpital, mon papa. Pour? Ok, tu es là. Qu'est-ce que tu vas donc faire, Maria? Je ne sais pas. Like you lost another one.